Bonjour! Et hier, je vous ai pas montré la couleur de cheveux de Corinne. Couleur de cheveux de Corinne! Bon, ça va pas changer, c'est juste les racines. Hein, c'est tout. Voilà. Bref, nous sommes lundi, je ne sais pas quand, 10. 10, oui. 10. Et nous partons donc en petit week-end en amoureux en mode Disneyland Paris. Voilà. Pourquoi tu fais cette tête là? Ah, mais j'aime bien le dire Disneyland. Bref, donc nous allons nous allons nous faire un petit week-end tranquillou bidou. Et donc là nous sommes sur la route, on vient tout juste de s'arrêter pour changer, j'ai commencé la route. En fait j'ai arrêté la clim. Mais j'aurais peut-être pas dû hein. On sent la chaleur, il fait 28 degrés, il est 11h, voilà. Mais on vient tout juste de s'arrêter dans toujours la même. Ouais, toujours la même. On s'arrête toujours à la même, je sais pas pourquoi, parce que peut-être parce que c'est à 2h pile de chez nous, et vu que normalement il faut faire une pause toutes les 2h, donc nous on tourne toutes les 2h. Voilà. Et mais avec une belle vue que je vous ai filmée, je vous la montre en même temps que je parle. Voilà. Donc je vais vous filmer aujourd'hui tranquillou, un petit vlog tranquille. Et à partir de demain, ça sera un vlog à Disneyland. Tu vas faire un vlog sur deux jours à Disney. Ça plus Disney? Non, ça peut-être oui. Après, Disney les deux jours, non? Bon, on verra. Ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend le programme qu'on fait. Est-ce que on se fait un programme genre une journée que les personnages et une journée que les attractions? Voilà. Ou je ferai une vidéo que des personnages et une vidéo que des attractions. Bah, on sera pas pillé pareil. Bah on se changera pas pendant les deux jours. Ouais c'est ça. Ouais. Et puis la chaleur qu'ils annoncent, ça va pas être possible je pense. Et en plus on a plein de masques à vous montrer. Ouais. Parce que on a plein de nouveaux masques. Et puis je vais inaugurer mes nouveaux t-shirts. Nouveau t-shirt et son nouveau sac qui est juste ici. Voilà. Alors on a prévu de dormir dans la voiture. Donc en fait les sièges, on vous montrera, les sièges se rabattent. On vous l'avait déjà montré quand on avait fait du camping sauvage dans les Landes il y a 2 ans maintenant. Oui, parce qu'on venait d'avoir la voiture. On venait d'avoir la voiture et on avait fait du camping sauvage. Et bon, voilà, pour ceux et celles qui nous suivent déjà depuis 2 ans. On avait baissé les sièges et le matelas, le gonflable rentre dans la voiture. Donc on va dormir dedans ce soir. Demain on s'est pris un petit Airbnb pas très cher qui est à 20-25 minutes du parc. Et en même temps on va voir la famille T-Rex. Ça fait un an qu'on les a vus. Oh, ça fait un an. Voilà, ça fait un an. Et là on va s'arrêter cet après-midi chez... chez Marie, la famille G. La famille G. Voilà, chercher. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà, on s'est vu il y a 2 semaines à peine, hein, parce qu'on est parti en vacances chez eux, et donc voilà, on y retourne. Ça fait 2 semaines, ça fait trop long. Et voilà, bon, bref, un petit vlog tranquillou. Et ça va inaugurer peut-être, selon comment ça se passe cette nuit, dans la voiture, ça va peut-être inaugurer des petites escapades en amoureux une fois par mois, peut-être. On va voir, peut-être. C'est que des peut-être. Si mon dos arrive. Oui, voilà, il y a plein de choses. Après, si on n'a pas trop chaud, si la voiture bouge pas trop quand on est dedans, il y a plein de choses. Moi, c'est surtout le dos. Et je me dis que ça sera mieux que dans une tente quand même. Tu seras pas au sol. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Moi, je serai à hauteur. Voilà. Bon, bref, allez. Je vous quitte parce qu'il faut remettre la clim automatiquement. Tu vois la transpiration sur le visage. Ah, c'est abusé. 29 degrés. Ça, j'avais dit 27 il y a 2 minutes. Hein. Il fait 29 degrés à 11h12. Ah, c'est l'été. Hein. Et nous arrivons. Alors, par contre, sont où les nuages là? Pour une fois, on va passer en Auvergne. Il n'y aura pas de nuages. Désolé pour les Auvergnois. Les Auvergnois. Hein, les Auvergnois, les Auvergnoises. Quand on vient vers chez vous, il fait un temps de bip. Voilà, ça a l'air d'aller. Donc. Attends, on n'est pas encore arrivé vraiment à la zone limite quoi. Oh, je rigole, rigole. Non, on rigole pas, je t'assure que c'est vrai. Si, on rigole. Non, je vous assure. Allez, les Auvergnois, un petit pouce bleu. Ah, mais non, mais il n'y a rien d'eux contre eux, hein. C'est pas de leur faute en même temps, c'est le temps qui fait aussi. C'est vrai que plusieurs fois on est passé, plusieurs fois. Dès que t'arrives, tu vois, y a rien. C'est vrai. C'est pas faux. C'est les montagnes, c'est. Ça vous gagne. Mais non, mais ça, je pense que c'est à cause des volcans, les montagnes, à cause de ça, je pense.
je vous mets un coup de clim. Parce que je suis en train de me liquéfier. Tu t'es liquéfié. Bah attends, là, là, c'est n'importe quoi. Demain, tu vas te liquéfier à 37 degrés. Voilà, la clim. Merci. On a voulu s'arrêter sur l'aire d'autoroute, c'est l'aire des volcans d'Auvergne-Est. Et comment vous dire que je crois que tout le monde a décidé de faire la même chose. C'est blindé de chez blindé. Fout du jambon partout. Et donc j'ai décidé, parce que Corinne voulait rester, j'ai décidé de repartir direct. Ouais. Parce que quitte à manger, parce que de toute façon là il y a 33 degrés à l'ombre, au soleil il doit y avoir 40, et les tables qui étaient déjà prises, elles étaient déjà toutes prises, et on c'est comptait en soleil. C'est en plein soleil, et on s'est dit, Corinne me dit on mange dans la voiture, je dis bah autant continuer à rouler quoi, c'est pour manger la voiture, c'est pas légal, parce que je crois qu'on n'a pas le droit de manger. Hein. Ah, normalement on n'a pas le droit, si je me souviens. Pas le droit de manger, pas le droit de boire. On est des gangsters! Il fait trop chaud! On se retrouve posé tranquillement avec Corinne. J'ai le masque. Ouais, parce que en fait, faut. Avec Corinne, je suis obligé de mettre un masque. Non, plus sérieusement, on est parti chercher de la glace. On fait notre dessert. Voilà, on n'avait pas fait de dessert juste avant, donc il fallait mettre de l'essence. On a mis de l'essence, on a pris une petite glace. Elle est bonne? Mmh. Aux sneakers? Mmh. Vachement bonne. Et on vient d'avoir un petit SMS qui fait plaisir. Ou pas. Nous sommes lundi. Notre réservation, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a eu pris un Airbnb demain. Et ben ils l'ont annulé aujourd'hui pour demain. Franchement, je trouve ça mais abusé de chez abusé. Donc en gros, demain on se retrouve sans logement. On va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose, mais bon, c'est le principe d'annuler la veille pour le lendemain que je trouve ça limite. Après, tu peux avoir des raisons familiales, tout ça, bref, voilà, mais tu sais, quand nous en plus on est sur la route, je veux dire, c'est pas comme si on habitait à côté ou c'est pas comme si on avait un logement, enfin, famille, tout ça, quoi. Et sachant qu'en plus il le loue spécialement pour Disneyland, donc je sais pas, il pourrait faire l'effort de le laisser quand même, quoi, je sais pas. Sachant que tu récupères la clé de la boîte aux lettres, donc je comprends pas. Ouais, voilà, donc là on est un peu dégoûté, on va regarder vite fait là. Pour voir si on trouve un autre logement. Folie voilou, je vais aller manger de la glace pour me réconforter. Ah, il y a plus grave. Nous sommes arrivés à notre endroit de notre endroit pour dormir. Donc c'est ça, voilà, un petit champ tranquillou. Non, je déconne, hein, c'est une... il y a une maison juste là. Mais je pense qu'on mettra notre voiture juste ici. Comme ça, on aura une petite vue tranquillou. Là. Faire une photo Instagram genre en mode nous sommes en plein milieu de nulle part. Mais vous avez l'enfer du décor. Voilà. Comme ça c'est mieux. Donc on va mettre la voiture là. En fait pendant les vacances on a dormi juste ici. On avait mis les trois tentes là avec les enfants. Et donc là je vais mettre la voiture exactement là où je suis. Et on aura vu sur le coucher du soleil qui est là. Voilà. Et comme ça demain matin on pourra partir tranquillement. Et je vais faire une photo en mode Instagram, en mode ouais, perdu milieu de nulle part et tout, la petite voiture, le petit truc. Donc j'espère la faire bien. Voilà. Bref, voilà. Quoi dire de plus, il fait très chaud. Il fait très très chaud. Il fait genre un bon petit 30, 35, 36 degrés. Tu peux le voir sur je sointe au niveau du visage. Je vais attendre que le soleil, que la température baisse un peu pour faire voler mon drone, parce que j'ai emmené un peu mon drone, parce que à chaque fois que je viens, à chaque fois qu'on vient, j'ai jamais de place pour mettre mon drone, donc là j'ai eu l'occasion d'avoir de la place, donc j'ai emmené, je vais pouvoir faire voler un peu et voilà quoi.
Bon, allez, on part sur un petit time-lapse des familles. T'aurais pu mieux faire le lit quand même. La couette elle est trop mal mise, on voit pas les Mickey. On voit pas Mickey. Non mais nous on va faire qu'on se fasse soigner quand même. Hein. Pourquoi? Trop de Mickey, tu le Mickey. Sérieux? Alors qu'est-ce que t'en penses de ton lit de ce soir? Bah je vous dirai ça demain. Pas trop dégueu comme vue? Hein? J'ai l'impression d'avoir pris un coup de soleil. Ou c'est peut-être juste le truc. Voiture, matelas, tout ça. Petit coucher de soleil, tout ça. Je finis avec le téléphone parce que j'ai plus de batterie dans l'appareil photo. Il fait encore très très chaud. On va aller jouer à un jeu. On va essayer un ou deux jeux parce qu'elle a deux jeux. Judoku. Parce que là, dans la fin, on a joué à Blanc Manger Coco. Alors, par contre, le coucher du soleil, hein, il est magnifique. Et l'autre, c'est... je ne sais plus. Bref, allez, on va se quitter là-dessus. Ça fait beau. C'est magnifique. Et je vous dis à demain, si tout va bien. Tchou !